Mario Kart, un nom qui va rappeler à beaucoup des heures de fun entre potes ou en famille, à jouer à des courses de karting en incarnant les personnages de l'univers de Nintendo, où tous les coups sont permis. À grands coups de carapace bleue, rouge, verte, peau de banane sur le circuit, à essayer d'envoyer en l'air et à valser dans le décor tous ses adversaires, en 23 ans d'existence et en près de 8 jeux, une constante sera toujours d'actualité, c'est le fun et le plaisir immédiat que vous allez retirer de chaque partie. Pour cette version Wii U, rien ne viendra révolutionner la série. Les fans de la première heure s'y retrouveront directement, et si on peut n'y voir qu'une transposition en haute définition de la série, le jeu reste un indispensable du catalogue de chez Nintendo. Les modes de jeu restent assez similaires à ce qui a déjà été créé auparavant, donc les courses simples, les tournois, les courses contre la montre, les différents types de courses multijoueurs. L'intérêt principal restera d'avoir enfin des courses en ligne dignes d'intérêt. Parce qu'à l'époque, la version Wii proposait déjà un mode en ligne qui n'était pas exempt de défauts. Cette fois-ci, la version Wii U gomme ses défauts et propose un enrobage bien plus ergonomique à utiliser. Ce qui fera que le mode en ligne deviendra très vite votre mode phare en solo. Mais en dehors des courses de cartes, la série a toujours proposé un mode de jeu battle, où on plaçait le joueur au sein d'un kart, entouré de ballons, au sein des arènes, et où le but était de conserver ses ballons et d'éliminer ceux des adversaires. Ici, le système est toujours resté, mais à la place des arènes, ça a été remplacé par les courses mêmes du jeu. Donc, ça en décevra plus d'un, mais le fun reste identique. En solo, si le jeu reste amusant, la quintessence même d'un Mario Kart reste le plaisir qu'on y retrouve à plusieurs, en local, dans la même pièce ou en ligne. Amenez vos familles ou des amis avec vous dans la même pièce et vous allez voir le plaisir que vous allez avoir à les envoyer dans le décor et à gagner des courses sur le fil alors que vous êtes dernier. Bref, c'est simple. Si vous possédez la console mais pas encore le jeu, c'est un indispensable. Par contre, si vous ne possédez pas encore la console, le jeu est disponible avec elle à un prix assez intéressant. Car oui, Mario Kart reste et restera toujours un indispensable du jeu vidéo. Vous pouvez vous procurer le jeu et le pack avec la console dans votre magasin MediaMarkt de Braine-l'Alleud et retrouver mes vidéos et articles sur le blog du magasin.